Alors bonjour, moi c'est Fabien Gosselin, directeur travaux chez Colas Rail, au sein de l'agence Grand Travaux. Je suis dans cette agence depuis 2007, donc déjà 12 années d'ancienneté. Moi je suis issu d'un BTS en alternance en maintenance industrielle, et donc qui m'a permis de rentrer chez Colas au sein du secteur matériel. Puis j'ai gravi les échelons et du coup je suis passé au service qualité, en tant que responsable qualité sur les suites rapides, avant de me diriger vers la conduite de travaux et plus récemment, depuis 2018, directeur de travaux sur la suite rapide et maintenant sur les projets LGV. Alors ce qui me plaît chez Colas Rail, c'est à la fois les chantiers de grande ampleur au sein des grands travaux, où tous les jours on découvre des choses différentes, des chantiers de jour, des chantiers de nuit, aux quatre coins de la France. Et ça, c'est vraiment prenant. Donc les travaux consistent au renouvellement de ballast et de traverse. Et au sein de ce chantier, moi je suis en supervision et préparation des chantiers avec les conducteurs de travaux sur l'aspect budget contractuel, également sur l'aspect technique et le suivi de chantier opérationnel par la suite, en appui avec les conducteurs de travaux. C'est un job d'organisation pure, à la fois sur le chantier, on travaille au millimètre et au chronomètre. C'est-à-dire que c'est des travaux de grosse ampleur avec des engins énormes, et pour autant, on a une qualité qui est très stricte. Le vrai challenge, c'est de rendre la voie tous les matins à l'heure pour une circulation des voyageurs à 120 km/h. Il faut être très organisé, ça passe par les briefings de chantier, avec les conducteurs de travaux, et tout ça c'est décliné par les starters, etc. tous les soirs. Au début de la nuit, chaque personne doit savoir ce qu'il a à faire. Les vrais atouts d'un conducteur travaux aujourd'hui, c'est la rigueur, l'organisation. Il faut aussi un esprit d'autonomie, et tout ça au-delà des travaux purs de voie ferrée. Il y a énormément de liens qui se créent, et au fur et à mesure des mois ou des années, il y a un vrai esprit de famille, et du coup, il y a une entraide, et tout le monde va se battre pour aller au bout.